L'ancienne candidate de la saison 6 de Mariée au premier regard, Émilie, a opté pour des petits changements capillaires. Après avoir fait des mèches plus claires dans ses cheveux, elle a demandé l'avis de ses abonnés samedi 18 février 2023. Beaucoup n'ont vu aucune différence. Dans le programme Mariée au premier regard, diffusé par M6, Émilie s'est fait connaître en participant en 2022 à la saison 6. Tandis qu'elle disait oui à Frédéric avec qui tout semblait bien se passer, si est-il finalement par un divorce que s'est conclue la relation. La maman de Lina a préféré avancer seule de son côté, mais a bien vite retrouvé l'amour. Elle avait révélé être en couple, mais se refuse pour l'instant à dévoiler l'identité de son nouveau compagnon. Un jour j'espère vous le présenter, mais pour le moment, on se construit loin des réseaux, avait-elle expliqué sur Instagram. Concernant leur rencontre, si est-il sur Instagram que les deux amoureux ont commencé à échanger. Nous avons échangé très simplement pendant 8 mois sans imaginer qu'un jour je puisse le rencontrer ou même être avec lui et réciproquement. Si est-il vraiment une jolie histoire. Y aller progressivement, cette nouvelle histoire d'amour insuffle de nouveaux projets dans la tête d'Émilie. La candidate de Mariée au premier regard évoque notamment un déménagement, un enfant ou encore un mariage avec celui qui partage désormais sa vie et celle de sa fille Lina. Qui dit avenir dit parfois changement physique. Pour Émilie, ce sera au niveau capillaire qu'il va y en avoir. Sur Instagram samedi 18 février 2023, elle dévoilait ses jolis cheveux bruns avec quelques mèches éclaircies. Les amis, je vous montre à la lumière du jour la nouvelle coiffure, quelques mèches supplémentaires pour moi. Bon, je n'ai pas gardé les boucles mais j'aime le résultat malgré tout. Pas de filtre. Vous voyez la différence? Écrit-elle sur sa publication. La réponse des internautes est immédiate, il n'y a que moi qui ne vois aucune différence et encore moins les mèches. Je ne vois aucune différence, seulement que vos cheveux sont superbes, comme vous, c'est joli mais pas assez prononcé, on a du mal à voir la différence mais quand même point cela t'adoucit le visage, peut-on lire en commentaire. Émilie Sen est défendue en expliquant que les mèches sont difficiles à voir, si est-il vrai car comme les mèches sont fines, il faut y aller progressivement pour ne pas esquinter les cheveux. En tout état de cause, elle s'affiche avec un teint rayonnant.